Non mais je crois que je vole là. Ah mais non, c'était un petit bug, c'est pas grave. Yo les gars, c'est une host. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir. Donc notre objectif dans cette vidéo, c'est d'obtenir les trois derniers trucs. Enfin, je pense qu'il y a une nouvelle acquis rose. D'après ce qu'on m'a dit, il y a une cape rose et aussi des lunettes roses. En fait, il y a tout qui est en rose parce que cette nouvelle mage, elle est basée sur le fruit de love qui est aussi en rose en cœur. Voilà. Donc, il va falloir qu'on aille voir directement le NPC qui se nomme Valentine Shop qui se trouve à l'intérieur de cette cafette. Oui, qui va nous permettre d'obtenir ces trois trucs. Voilà, j'adore cette démarche. C'est toujours intéressant quand elle l'a fait parce qu'on a l'impression qu'on se vend trop. Ouais, j'espère vraiment qu'il y a cette nouvelle acquis parce qu'on m'a envoyé un message sur Discord comme quoi il était là. Oh! Mais il est là. Mais par contre, il coûte 1000 coeurs. Ça fait un peu trop là. Ah ouais. Oh, il n'y a même pas de titre. Je pensais qu'on allait aussi avoir un titre quand on l'achète. Mais non, je pense pas, vu qu'il n'est pas marqué dessus. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même descendre. Ah, je prends le coffre, même s'il va rien me donner. Comme d'habitude, je prends des coffres comme ça, mais ça me donne pas d'argent. C'est pas cool ça. Bref. Bon, voilà. On va profiter de voir cette nouvelle acquis. Non, mais il est tout en bas. Oh, light pink. Light pink. On va voir cette couleur si elle est aussi light pink que ça. Ça brille. Normalement, c'est censé être rose. Oh, mais ça brille en fait. Mais ça brille et c'est stylé. Franchement, il y a des effets. Mais bon, j'ai l'impression que il n'est pas vraiment par rapport à la rose normale. On va voir sur la rose carrément. Oui, vu qu'elle est légendaire. Donc, du coup, elle est censée être aussi bien. Celle-là, elle est vraiment rose, mais elle ne brille pas. En fait, il n'y a pas de la lumière par rapport à la light pink. Je pense que je vais garder quand même la dernière. Comme ça, moi, je pourrais flex pendant le temps qu'il est là. Mais bon, j'espère vraiment que vous allez l'acheter vite fait parce que bientôt, il va partir. Et donc, vous ne pourrez plus l'acheter. On va se barrer directement au C1. Un message sur Discord, comme d'habitude. Voilà. J'adore voler avec ce fruit. Ça, c'est stylé quand tu voles avec ce fruit de love. Mais je pense que j'aurais dû prendre aussi le Footlight. Oh, c'est pas grave. Allez, on va continuer. Il est où le NPC? Il se trouve là. D'après ce qu'on m'a dit, il se pourrait qu'il y ait la cape dans cette boutique. Ouais. Oh, 750. Ça fait un peu beaucoup, mais je pense que j'en ai déjà assez. Oh, ouais. Oh, ça, c'est magnifique de l'avoir acheté. Maintenant, à présent, ça me fait passer au bon vieux temps quand j'étais en train de chercher les lunettes. J'ai passé vraiment trop de temps pour les avoir, ces lunettes. Ouh, mais il y a une amie à moi qui vient de rejoindre. Ça me fait passer à une fois quand il y avait Fer 999 qui avait rejoint ma game. Ça se dit plutôt Fer 999 en fait, mais pas plutôt Fer. Bref, je pense que là on est en train de s'écarter du sujet. Bref, je vais plutôt profiter d'acheter d'abord ce qu'il y a dans cette boutique. Ouais, il y a carrément les lunettes, celles qu'on m'a dit en MP que ils étaient à la boutique. J'avoue, j'ai galéré par contre pour attendre. C'était très très long. Mais bon, maintenant que je les ai, je pense que je peux me permettre d'aller flex. Six and a half hours later. D'après ma dernière vidéo, j'ai vu que sur les commentaires, les gens me demandaient est-ce que l'argent quand on l'achète, ça nous rentre directement ou est-ce que si des fruits on les achète on les reçoit directement. Là je suis venu tester carrément, je vais d'abord commencer par l'argent. Donc normalement si j'achète 20 000 je vais les recevoir directement et voilà comme vous pouvez le voir j'ai reçu 20 000. Et pour le fruit, oups, ça a sorti le fruit que j'avais. Et donc du coup faites très attention quand vous achetez des fruits, c'est bien de ne pas les acheter directement dessus en fait si vous n'êtes pas sûr. Là j'ai acheté le fruit de Spring, il est pas vraiment cool en fait, mais il est trop nul. Donc du coup, je profitais de sauter, mais bon. Bon, je pense que je peux acheter aussi un autre truc. J'ai vu qu'il y avait une race ici. Ouais, je peux acheter la race. Et voilà, maintenant je vais recevoir quelle race? Oh non, pourquoi je reçois la race humaine? Mais non, je pouvais pas recevoir une belle race. J'aime pas la race humaine, je pense que je vais... Oh, il y a un fruit qui a spawn. Oh, c'est incroyable, je vais profiter d'aller récupérer. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait aussi les trucs de shop. Là, je peux équiper des fruits à distance. Directement le fruit de Dour, ce qui est le meilleur fruit pour aller chercher un autre fruit. On équipe un fruit pour aller chercher un fruit. C'est cool ça. Bon, elle est où là? Ah, il est à 270 mètres de moi. Il est pas loin. Je pense que le meilleur, en fait, au lieu de prendre ce fruit là, vu qu'il est pas loin, je vais prendre un autre fruit. Voilà. Ça, c'est génial quand on peut équiper des fruits comme ça. Je prends le fruit de Light. Comme ça, je peux me permettre de voler directement. Donc, il est de quel côté? Je pense qu'il est... Ouais, il est vers là-bas. Il n'est pas vraiment loin, à 220 mètres. Et voilà. Je pense qu'il est là-bas. Ah, il y a quelque chose qui brille de loin. Ça brille, ça brille, ça brille. Ouh là! Ah mais c'est une étoile. C'est pas un fruit, c'est une étoile carrément. Ça brille. J'ai le fruit de la lumière et donc du coup il y a le fruit de la lumière qui a spawn. Qui se nomme plutôt le fruit de light. Bon.
Je pense que j'en ai déjà beaucoup trop dans mon inventaire. Je pense que j'ai le max. Donc, ce coup, je vais plutôt la donner à Nanox. Ouais, bon. Comme ça, au moins, ça va te permettre d'avoir un fruit de plus dans ton inventaire. Allez. Ah, mais de rien, mais de rien. C'était pour le bien du monde et celle de l'humanité. Bon. À présent. Oups, je voulais pas lui écrire ça, mais j'ai pas fait très attention. Faites comme si vous n'avez pas vu ce message que je viens de lui écrire. Bon, je pense que je vais me barrer d'ici. Je prends directement. J'ai trop de notifications. Oh, mais sur Discord là. Bon, je pense que je vais me tailler directement. C'est mieux. Ok, je vais d'abord commencer déjà par aller changer ma race parce que j'aime pas trop la race humaine. Voilà, c'est la meilleure race. Apparemment, c'est la meilleure race, mais. Ah, il y a un fruit qui est là. C'est le fruit de sand, sable. Mais. Oh là là, il y a des gens qui laissent des fruits par terre comme ça. Je pense que je vais commencer déjà par profiter de changer ma race. Voilà, j'espère vraiment que j'aurai la Angel. Mais non! J'ai Shark! Je ne pourrais pas tomber plus bas que ça! Mais c'est pas cool! Et voilà, 3000 fragments que j'ai perdu. Et voilà. Mais non, c'est pas possible! J'ai la race Mink. C'est pas cool. Mais ils ont marqué Rabbit. Mais c'est pas grave. Bon, on va plutôt changer. Oh, bon, j'ai perdu 9000 fragments, mais au moins au final, j'ai fini par avoir la race que je voulais. Voilà. Donc. Oh, mais c'est qui ce Venom qui se met là? Il voit pas qu'il dérange trop là? Pourquoi les gens ils aiment trop se transformer et se laisser devant moi là? Bon, je pense que je vais quand même profiter d'aller présenter les trois accessoires que je viens d'acheter parce que j'ai vu que j'ai présenté que la. Enfin, le Haki. On va profiter aussi de présenter les deux trucs. Bon, je vais quand même d'abord commencer par les lunettes. Vu qu'ils étaient les moins chers. Enfin, je pense que. Ouais, les lunettes. Enfin, c'est pas les moins chers, mais bon, voilà. Bon. Ah, mais non, ça ne me va pas vraiment parce que je vois mes yeux à travers, c'est pas cool. En fait, on dirait vraiment que je fais tout comme si, genre, le rock'n'roll dans les animés, on voit, il y a des trucs, après il met des lunettes, c'est un peu bizarre. On va voir déjà les avantages que ça donne ces lunettes parce que j'ai envie de savoir ce que ça donne quand même. Bon, comme on peut le voir, ça donne 12%, 12% de plus sur les melee et sur les guns. Bon, donc du coup, c'est fait pour les gun users, ça c'est sûr à 100%. 5% de défense sur toutes les attaques, 600 énergie, 600 énergie et combien? 400 de vie. Mais c'est pas beaucoup 400 de vie. Ils auraient dû faire le contraire. Attends, je vais aller voir sur la cape ce que ça donne. Donc pour la cape, je pense que j'espère vraiment que ça ne me donne pas vraiment les mêmes avantages parce que ça serait pas vraiment cool de voir ça. Ok. Donc pour la cape, ah mais ça donne aussi 12% d'après ce que je vois. Ouais. En fait, pour la cape, ça change pas vraiment grand-chose. En fait, c'est 12% de dégâts de plus sur le fruit et pour la sourde. Donc, du coup, c'est fait pour les sourdeuseurs et les fouiseurs. 8% sur toutes les attaques, 40% d'énergie et 600%. Enfin, qu'est-ce que je dis moi? 400 énergie et 600 de vie. Pas mal. Je pense que je vais garder celle-là. Bon, je vais essayer d'aller acheter un nouveau fruit. Ah, il y a Dranis qui est à côté. Mais j'ai le fruit de Shadow! Mais c'est incroyable! C'est vraiment incroyable ce nouveau fruit! Encore une fois, un fruit qui spawn! Oh là là! Oh Spider-Man! Spider-Man! Il est à 180 mètres de moi! C'est pas vraiment loin! Je pense qu'il est tout là-bas! Bon, j'espère vraiment que c'est un bon fruit! Ça fait déjà très longtemps que j'ai pas récupéré un fruit! Et j'espère que ça va être un bon fruit que je ne vais pas le regretter d'être venu jusqu'ici! Parce que c'est carrément loin! Oh! Il n'est pas ici, il n'est pas ici, à 40 mètres. Non, il n'est pas là. Ah, il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Ah, il s'est détransformé, mais j'ai disparu. Oups. Bon, je pense qu'il est vers ici. Non, à 10 mètres. Non, il est à l'intérieur. Ah, il est là-bas, c'est Dark. Ah, mais c'est le fou de Dark. Wesh, mais il est où? Il a disparu. Oh, il a pris le fruit. Oh, le bas. J'avais pas vu ça. Oh, mais non, en fait, il m'a feinté. Bon, maintenant que j'ai tout eu, ah, j'ai le fruit de Shadow là, je vais le mettre d'abord dans mon inventaire. Voilà, comme ça c'est réglé, une bonne chose de faite. À présent, j'ai combien de Shadow déjà? J'en ai que 5. Bon, c'est pas grave, je peux encore avoir 23 de plus, si ça me fera 28 fruits. Bref. Bon, à présent, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous dis à bientôt. But that's all right. Hush. Thank you.